charcuterie. Vous allez jeter ça. Oui, je le jette. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors déjà, pour Jean-Pierre Coff Simulator, tu remarqueras qu'il y a une icône de toute beauté. Si l'art aurait une définition, ce serait cette tête. Oh mais même l'écran de chargement est magnifique. Regarde la tête qu'il fait. Non mais mec, ça c'est le visage d'un homme qui veut te faire l'amour. Je veux faire l'amour. Je pense, oui. Attends, mais c'est pas n'importe quel jeu. Déjà, tu remarqueras, le fond derrière, c'est une image de frites. Jean-Pierre Coff a envie de te faire l'amour. Et quand tu passes ton curseur sur les sauces, eh ben il y a de la sauce qui sort. Bah putain, le jeu, on l'a à peine lancé, il nous fait déjà l'amour tendrement. Ça, c'est exactement ça. Bon allez, c'est parti, entraînement. Le but du jeu est de protéger ces sacs de pommes de terre, situés tout à gauche de l'invasion ennemie. Si les trois sacs de pommes de terre sont volés, vous perdez. Alors par contre, tu sais ce qu'il dira Jean-Pierre Coff quand il perdra ce sac de patates? Non. Oh, purée! Il a fait ça de la gdonir, du coton. C'était la fin de ma carrière. Oh ouais, mais là, c'est pire que la fin de ta carrière. Déjà, est-ce que ta carrière a commencé un jour? Non. Bah déjà, on remarquera que Coff, on a l'habitude de le voir avec sa veste et que là, il a fait péter la chemise hawaïenne et le short. C'est hyper tendance. Donc, déplacez-vous avec Q et D, donc ok. Sautez avec Z. Oh putain, il saute haut le con en plus, hein. Putain, en plus, c'est réaliste. Tu sais, moi, j'imagine trop quand on joue à Pokémon la dernière fois que dans les hautes herbes, t'as un Jean-Pierre Coff qui se balade comme ça. La pomme de terre est l'arme de base. Pour buter tous les connards qui vont venir vouloir te piquer tes récoltes bio, tu leur balances des pommes de terre à la gueule. Les fraises sont des mines qui explosent au contact. Oh, et il est pas con le Jean-Pierre, hein, dans son potager là. Attends, mais dans son potager. C'est grâce à lui si la guerre de 45 a été gagnée. Ah bah oui, c'est comme Jean-Pierre, il a quand même inventé la fraise grenade. N'utilisez jamais vos armes une par une. Oula, c'est une menace là. Faites gaffe. Non mais tu sais ce qui s'est passé. Attendez, pourquoi il est malheureusement décédé notre. Il a voulu manger une patate, mais il avait oublié que c'était une des patates explosives. D'ailleurs, bon, ça vient de faire une bonne purée. Et là, pouf, il explose. Purée de Jean-Pierre Coff. Salut Oni. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Oui. J'ai une carotte, tu veux la goûter? Ah bah je dis pas non. Par contre, il va falloir aller la chercher. It's time to stop! Après ce jour, Oni se fait violer. Si vous êtes très doué, fou ou aventurier, appuyez sur entrée. Un drop confiture. Il parle ce con! Le problème du temps, c'est un non-problème! Oui, mais ferme-la! Il a raison. Le problème du temps, c'est un non-problème! Par contre, faut faire sa gueule parce que s'il répète tout le temps là. Le problème du temps, c'est un non-problème! Bon, on a compris ça! Le problème du temps, on a compris. C'est un non-problème! Ta gueule! Putain, ça y est, j'en ai marre. Mais dégagez de mes exploitations! Vous n'aurez pas mes patates! Le problème du temps, c'est un non-problème. Il va vraiment falloir qu'il ferme sa gueule. Quand on change d'objet, il dit le nom de l'objet à chaque fois. Une fraise, un propre confiture. Merde, il y a Morandini qui arrive. Ah, non, il me chie dessus. C'est consternant. C'est quoi ça? À ce moment-là, un phénomène paranormal a traversé mon écran. Non, lâchez-moi. Je suis Jean-Pierre Coff. Attention, en bas. C'est qui ce mec? Non, mes pommes de terre. Non. Non. Le problème du temps. Non. La situation est consternante. Putain, mais retournez faire l'amour et dans le pré. Non. Mes patates. Je vous jure, j'ai envie de chialer, ça me désespère. Je m'attendais pas à ça. Je vous jure, j'ai envie de chialer. Non, mais. Mettez en commentaire votre meilleur score. Mettez en commentaire votre meilleur score sur Jean-Pierre Coff Simulator. Attends, je vais essayer un truc. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Laissez un pouce bleu sur cette vidéo. Vous pouvez pas refuser. Si vous ne laissez pas un pouce bleu, vous savez ce qui vous attend. C'est comme tout à l'heure, mais sauf que on. Un propre confiture. Ta gueule. Sauf que on n'a pas de pommes de terre. Voilà. Je sais mes petites fraises explosives un petit peu partout. Regardez, j'ai ma petite récolte. Pourquoi Morny c'est un oiseau d'ailleurs? C'est de la merde. Attends, on a des stats. Pommes de terre lancées 512. Fraises lancées 153. Mères lancées. On peut lancer des mères? Des mères les mamans ou des mères des plages? Des mères les mamans. Vous gâchez autant de nourriture que le petit Lucas, 3 ans, qui vomit ses petits pots jambon cassis marque repère. Ah, oui, vous êtes aussi dangereux que Jean-Pierre Coff après sa sieste devant Derrick. Bon bah je pense qu'on en a fini avec ce jeu. Tu mettrais combien d'étoiles sur 5? 5 étoiles. Et toi? 28. 28, ok. Ça paraît être un score honorable. Franchement, je mets 5 étoiles pour une raison.
pour la tête de Jean-Pierre Coff sur le menu. N'hésitez pas à refaire un tour sur mon jeu. Le jeu sera en description si il est assez gentil, l'autre con. Vas-y, mets mon jeu en description. Il ne t'arrivera rien. Allez, putain, vite, vite, fais une transition. Transition sauce. Transition sauce. J'en ai un PIB qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais de quoi bien vous satisfaire. J'en ai un PIB qui fera sûrement votre affaire. Il y en a pas beaucoup, mais est-ce que j'ai bon comme tout?